tangwe koki yo 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 tangwa ngoya ngoyo e koki papa Stéphane bala mwange oyeye Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Tangwe Koki RDC. Nous sommes samedi, bien sûr. Juste c'est pour vous informer, comme d'habitude, vous devez retenir que la République démocratique du Congo, notre pays, votre pays, est là. Et des polémiques à gauche et à droite, et ça est marqué. Je voudrais un peu qu'au vent de la Mouké, sortie médiatique, il y a Daniel Safou, Moukeba et Na Francis Kalom. Ces trois messieurs ont dit des choses où il n'a qu'à Kotika, Koleka, Bouyete. Ouais. Et en dehors de ça, Dindalissou, on a ma réaction après qu'a sorti un gouvernement, puisque ma réaction est belle, m'a qualifié, y'a un ding et ding. Je vais évoquer toutes ces questions-là ici, ensemble, bien sûr, avec Gustave Lutumba ou Tozouza. Naye moi, Mingi Mikolo, toujours travaillé, naye, les questions qui bolandi ma lame sur Tangwe Koki RDC. Nous avons Gustave Lutumba, nous avons Joël Kitenge, nous avons Benjamin Mwanasuka, nous avons Maître Mpinda et nous avons Messire, c'est les cadets bien sûr. Il y a Moussa Touali Kossala Awa et Stéphane Balamwangé, lui-même est là, le général de l'armée numérique en charge des opérations et le prince autoproclamé. Salut, on commence. Voilà, Tata, bonjour. Oui, bonjour, moi, Namboka Steph Balamwangé, bonjour. Et bonsoir, Pena Bandeko, Rolanda Bisso, il dépend de la R ou Rolanda Bisso. En tout cas, on est là, on est déterminé à que la situation, vous savez, qui s'est passée dans Kati Amboka, pour informer, pour recadrer, et surtout pour préciser sur plusieurs réalités. Nous avons compris que ces derniers temps, les ennemis de la République démocratique du Congo, Bazolo Kakotambola, trop na balokuta, olé akotambola na kati ya ba vérité. Et puis si quand on a dit ça, on dit que Steph Sokomoningai na choisi ça beaucoup plus chaîne na yo, émission na on sait pas, parce que je sens qu'il y a une dose élevée à vérité et surtout na esprit moko, donc disons na rationalité un peu. Alors là c'est ma nature. Na vraiment bisika oyo ba buzo bezalaka trop mingi, je n'aime pas vraiment qu'on participe à ça. Je ne fais pas la discrimination, dans un pays qu'on humilie les autres traités, mais dis-moi, je donne ma position. Ezanga Gustave, c'est Gustave qui parle. Donc, moi-même, tu as contredit Ezanga. Merci beaucoup, Gustave Lutumba. Chers Congolais, nous commençons. Dans un petit point de presse, Moko, Daniel Safou, Mike Moukebaï et Francis Kalombo. Dans un point haut, na kangi. Dans un tout nom, tout na wana. Oui. Point à l'Iboso, régime y a le kouta, régime y a bien compétent. Bozo louka par tous les moyens, bo se sauver, pour bo se laver devant le peuple congolais, ça ne tient pas. L'unique personne qui peut apporter la solution aux Congolais s'appelle Moïse Katumbi Tshiapwe. Régime y a le kouta, régime y a bien compétent. Non, régime Yalokuta, d'abord, ezali régime Oyo Moïse Katumbi Bazala Kana Joseph Kabila. Parce que même, je dirais, origine Nabango reste jusqu'à ce jour douteuse. Au tali parcours Nabango, Bango ne bako sabiso, baye la biso, la modernisation de la modernité. Vraiment. Donc, basu modernisation, bamimion la modernité. Ba kosa biso bango awa ke ba kotie la biso ba autoroute ba kosa biso awa ke ba komeme la biso ba TGV ba tia ba pano partout ba kosa biso awa na bukanga lonzo régime oyo Moïse Katumbi azala régime oyo Joseph Kabila azala. Combien de fois ils ont menti, même le lui Katumbi a menti, le peuple katangé. Régime, il y a un incompétent Moïse Katumbi qui a travaillé en tant que gouverneur. Peut se mesurer aujourd'hui à Kiaboula qui travaille comme gouverneur. Kiaboula a commencé par moderniser le stade de l'État. Donc il a donné un sens au gouvernement parce qu'il est venu pour le gouvernement. Moïse Katumbi était un affairiste.
Il a voulu faire la promotion de ses affaires au détriment des affaires de l'État qui devraient avoir de l'impact positif sur la population. Moïse va se rendre à la vie santé quand même. Toyebi Bango, c'est son tour de bazar qui n'a régime, il y a un incompétent, il y a un gros bakoukaï coupé, c'est un malongaté dans le peuple congolais. Ils étaient incapables à couper ça la gratuité de l'enseignement. Ils étaient incapables à couper ça biso les avions. Nous souffrons aujourd'hui au Congo. On n'a même pas un appareil volant. Il y a l'État. Mais aujourd'hui, avec les efforts, il y a fait Antoine Tshisekedi. Tokomi na ngo ibale Congo Airways des appareils. Mais s'il faudrait demander dans le régime, il y a Moïse Katumbi, là, Joseph Kabila. Ils nous ont laissé combien d'avions ici? Les bakim pa vita ou basombe la rabisou et kenda pesoukawa. Donc, na lingina loba, bref, na Daniel Safou, Francis Kalombo, d'ailleurs, Francis Kalombo, yé mou kwaye bakayango, très bien. Le vidéo sont là. Que Moïse Katumbi n'a pas des racines congolaises. Mais pourquoi nous mentir jusqu'à ce jour? Ce sont eux qui sont des menteurs, ce sont eux qui sont des incompétents. Oh, basso linga peut-être, bas jouer. Na sympathie, na je dirais l'hospitalité à ba Congolais, pour n'a pas meka kozwa moi positionnement, mais ko simbate cette fois-ci. Donc, Mike Moukebay, n'a parlons même pas, c'est un versatile. Le loi Zali Awa, le loi Zali Lobikuna, Lobikuna Monye Wapi. Donc, c'est sa nature pour chercher comment manger. Il a été d'ailleurs démystifié par le gouverneur Gentili Ngwabila. Et comment Raba Sengela va pardon parce qu'il devrait être arrêté lui Mike Moukebay. Donc Naba Daniel Safou basant la leçon il y a repé sa bisauté parce que s'il y a des députés nationaux aujourd'hui qui font la honte il y a qui députation ce sont de Batuloko la Daniel Safou. Budget à Kadiocha repé ce Batou. Budget à 16 milliards mais budget à Kadiocha ça c'est Safou. Non wana ezali yende mutu aroloba budget à Kadiocha ya Kadiocha parce que il ne maîtrise pas les éléments, je dirais, qui contourent la composition d'un budget. Et peut-être pas éviter le coup de budget. Budget, c'est la prévision. Budget, c'est que non, vous avez cet argent-là en espèce. Budget, c'est le calcul ça par rapport à leurs entrées financières. Oh, l'État qui cause la nango, a dit que nous avons un bon bon, nous avons un bon bon, A sangi si ba image ya mbon wana, a élaboré si ko yo programme na yon, a sali répartition. Na ba différents secteurs. Mbongo autant nous avons un go, il y a 16 milliards de dollars, 1 milliard de dollars et kota bi sika boe, 3 milliards de dollars et kote sika boe, oh boe kota boe, 2 milliards bien, 3 milliards moure jari koti kalaturi ko bomba yango comme les imprévus. Ba beti calcul et on commence maintenant à mobiliser les recettes. Dans tous les pays, ça se passe. Il y a d'autres pays où on peut comme à Kaboye. Vous pensez que le trimestre, on a beaucoup peut-être qu'on relève 6 milliards de dollars. Je donne un exemple. Mais par surprise, beaucoup t'as dit 7 milliards, 8 milliards de dollars. Ça s'est fait. Vous avez dit que vous avez 6 milliards de dollars. Mais moi, ma complication, je peux faire ça. Vous avez dit que vous avez 5 milliards, 4 milliards de dollars. Et qui dit Kolobate que vous avez menti à la population, non? Parce que Mbouana Pona Ebima, il y a certaines réalités sur le terrain. Ça se passe partout. Donc, on a dit que Daniel Safou, il manque à maîtrise. Il a été élu peut-être parce que Abanda Kotambo la Makolongou Lounanzela, parce que Abanda Kobina Binaloko Lenzebola, parce que Bayoke Lié Mababino Topé, c'est un sens la vie. Mais après l'avoir donné un sens, a commis Kole Kananzela pour insulter les gens. Eh bien, insulte à Salaka dernièrement. S'il était normal, il n'allait pas insulter. Et pourquoi il est allé à la, il est passé à la télévision pour demander pardon? Mais c'est parce qu'il s'est senti coupable. Il a insulté les gens. Ça, c'est quelle sorte de député? Et je ne crois pas que Daniel Safou aura la chance de rejoindre un député en 2023. Voilà, Daniel Safou, ce qui est Daniel Safou, le sousou, dans son nom de Mukebayi, qui pense aussi que. Le président Tshisekedi a causé la chance à tant moukete, il a postulé encore. Pourquoi? Puisque Toko Lekalesus a la majorité populaire et à Makasi aux Alibosonaye, composé de Katumbi, Fayulu, Mukwege, na Joseph Kabila.
Écoutez. Donc, tu sais que Jaza Libabe pour la Congo, là, c'est Mukebai. Donc, c'est une malédiction pour nous. Mukebai, il y a dans l'andakaïté. Dans l'andakaïté, pourquoi? Parce que. Il y a un peu de temps à marcher, il y a un peu de temps à faire. Babeti Mukebai. Mukebai, c'était où ça? Na Kindu, na Maniema. Bakena na Maniema, awa. Ba landaki Salomo Skadela. Ba komi kuna na Maniema, ba beti bango. Tangu ba beti bango, qu'est-ce que Daniel Safou avait dit? Qu'est-ce que Mike Mukebai avait dit? Oh non, ce sont ba combattants IDPS, nde mutu ba yaki kobeta biso. Mais dans l'ensemble, Nengaza la Katongi Songi, Dieu a permis que Marchu Oyo, la Mouka a sali. C'est-à-dire l'opposition a sali. Il y avait l'ensemble, il y a Moïse Katumbi, il y avait parti politique, il y a Matata Ponyo, il y avait les CIDE, il y a Martin Fayulu et d'autres députés. Bakoutani Basali marche dans Bango Mokoué à l'opposition. Mais la carte a marche, on a un militaire Fayulu, Bandi Kobeta Maïk Mukebai. C'était déjà un message fort pour dire que Bango Moko na kati ya opposition, il n'y a pas l'unité, c'est ainsi que va beta ki Bango. Et aujourd'hui, il y a quand même force ni basa na écoutez, j'aimerais vous le dire. Quand il cite Denis Mukwege, tant qu'on cite Agotche Lokola opposant na ngai Gustave Lutumba, batu basolo baté. Mais quand je vais chercher à recadrer Denis Mukwege, il y a quoi là t'apprends en gars y a politicien et à considérer le quoi la politicien non vous manquez du respect n'a pris d'embelle patati patata non Mukwege c'est un homme, c'est un médecin, c'est un docteur, je le respecte dans Moussala Oyasala, je le respecte, mais Denis Mukwege a un ancrage politique té qu'on se le dise. Et Moïse Katumbi, oh yazo kumisana, Moïse Katumbi rosala élu wapi. Nous venons du Katanga. Tozaki na Mbujima, plutôt na Lubumbashi. Les jours où on va projeter marche y ensemble pour na ko tambola ko marcher, ko manifester na ndenge ça qui a masangu et longue 20 000 et commis 70 000 quelque chose comme ça. Mais on était là, na ville. Tout le monde est bon. Est-ce que Bayaki? Alors quand tu as 50 personnes. Non, je te l'ai dit sincèrement. Même dans Katanga, tout le monde sait que c'est Moïse qui est à la base de l'insécurité. Là, c'est déjà un point faible pour Moïse Katumbi. On n'a pas peur de Moïse Katumbi. Et puis, de deux, Joseph Kabila. Martin Fayulu ne représente absolument rien. Joseph Kabila, Namboka Oy, un bon Congolais, a coquille jamais qu'on s'appelle Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila n'a ça là que, ba Mwanga Chouchou, ba 1-23 Nyos, ba ya Okonzambo Kanabiso. C'est Kabila qui a infiltré notre administration. C'est Kabila qui a infiltré notre armée, la police, service de renseignement. Toutes les entreprises, Kabila infiltra Batonaï. Qu'est-ce que vous allez me dire? Kabila a tué les gens dans ces pays. Qu'est-ce que vous allez me dire à propos de Kabila? Bafanana Kabila, Kabila a sa coquille vide. Parce que le peuple congolais a coupé sa Kabila confiance. Mukebai a zo bangi sabino déjà te. Mukebai a ro. D'abord, Mukebai a ko bangi sa tam mouana nangaye te. Omoni mouana nangaye, ya mouasi. Mignon Lutumba. Mukebai a ko bangi sa ete. Et a plus forte raison nga ete tana. Parce que soki mouana nangaye o banga, Mukebai a ko bangi sa ete. Mouana nangaye mouasi. Soye nga tatana e Mukebai a ko bangi sa ete. Et a plus forte raison le président Félix Antoine Tshisekedi. Ou les Congolais. Non, Mukebai n'a pas de banque saté. À ça, la grimace n'est pas ce que Asuka. T'as un ça yo. Mukebai est là dans le plateau. Et pas un déco journaliste et mon robot. Ça vous permet de faire un temps à combo. Pas mal. Et pas un sang au Israël. Voilà, je crois que c'était dans. Il y a qui dans 2017 ou bien 2018 comme ça.
tous les gens plateau et pas à sango. Ngai, Fabrice, Mubenga, je n'ai pas besoin de mon tout mon quoi na plateau boy. Mike Mukeba a mandat pour sa droit de réponse sur une mutuni n'ango boy. Mike Mukeba a moni visa bando lenga. A visa na sango Israël a zan. Ah Israël. Donc c'est pour te dire que de par sa présence physique comme ça, à Obangisa Maté, na Kaboche, à Obangisa Té. Et na comportement à Obangisa Té, parce que Bazali parmi ma députés, Bazala sonne na Katsamboka. Au courrier Bisangata, loi moko oyo yemaye ki mukebay a proposé en assemblée provinciale yena Daniel sa a part ko benga ka ba appel allô c'est la moni ministre ya mitale ba romo créer les problèmes ba na pe mole do sa kombi arrivé ça bango yo ka bango les sous bango ba vivre ka bo oh oui. Tozo nga na safu qui dit que beaucoup plus loin de PES a sali proposition à loi pour na ko diviser ba congolais. Loi tchani. Na yebite Daniel Safu. Qu'est-ce qu'il appelle division? Parce que s'il faudrait appeler cette proposition-là, qui d'ailleurs n'est pas de leader PES. Ce n'est pas tout Kassin qui est de leader PES. C'est que ce qui, tout Kassin est de leader PES, Mike Mukeba aussi est de leader PES. Au moment où Mike Mukeba a défendre Moïse Katoumbi, au moment où il est Moutoué Kotim PES, c'est ça la rabonne. Donc, s'il faudrait rester dans cette logique, il y a que tout Moulouba est de l'UDPS. Or, Mike Mukebay est Moulouba. Donc, Mike Mukebay est de l'UDPS. Mais, à notre grande surprise, Mike Mukebay a joué défendre Moïse Katoumbi. Donc, il y a moi sa vue réponse car la question n'a à poser et puis il s'est vrai zoba. Cette loi n'est pas venue pour diviser la population. Et on a profité le colobé tiango n'a pas peine à panzamba mon on est une loi tiane. Loi est qu'on divise t. Ce qui otali na ba élection auto salaka ya liboso na 2006. Ba député oyo babimara na 2006. Seni loba peut-être sauf erreur de ma part. La Seni asengaka bango a imposa ka bango les diplômes universitaires T. Puisque lui parle de la division lorsqu'il s'agit d'une proposition. La CENI exige à Bango un diplôme universitaire. Tu es en 2011. Tu es en élection il y a 2018. On a exigé à ce que le candidat, député, candidat, qui que ce soit, azala au minimum. N'a un diplôme, il y a premier cycle, c'est-à-dire il y a graduat. Vous allez vous rendre compte maintenant que les Congolais qui avaient été autorisés, qui avaient eu la chance, il y a combien de députés, n'a titre, il y a école secondaire, c'est-à-dire diplôme d'État, abimi député. Mais après quelques années, bah empêcher, balobité, il faut qu'aka o hasard à titre, il y a premier cycle, matalikolo.
au lieu que ça va que non on a divisé peu les sous ma population va diviser peuple parce que baboy ba ba qui n'a diplôme d'état ba komika kolinga il faut mutwa ça la na nini na diplôme il y a premier cycle matin du colo non. Qu'est-ce qu'on a visé là? On a visé l'excellence. On a voulu assez que le candidat député, ou à cause de la wana, a quand même un amour bagage. On a permettre à voter ballon, on a kende le col à un spectateur. A kende karabandarota la rabatou, parce que il est évident qu'il y a des débats sociologiques, mais il y a aussi des débats purement scientifiques. Si tu n'es pas scientifique, na ba debana et ko banda roleke la yo kaka boye. Alors il faudrait quand même à un moment donné ou à un niveau qui est quand même un diplôme moko boye et qu'on accède réellement que non, tu es passé quand même sur à l'université ou sur le banc de l'école où tu as été à l'université et que tu as acquis une certaine intelligence. Tu as quand même un bagage heureux qu'on permettrait de défendre circonscription électorale. C'est-à-dire, population, on a tindé qui a mon nom, on a dit, 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 aussi, on a dit, ok. Là, différence, on a et kaboli population, on a pour Daniel Saf. Donc, quelle source n'attend la constitution? Constitution Oyo, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi Mutasali Yango. Constitution Oyo Mutasini Yango, c'est Joseph Kabila. Constitution Oyo. Mutasini Yango, c'est Joseph Kabila. Je ne sais pas si c'est Oyo. Assigné Wana. Mais le rôle Oyo, il a une impression, je n'ai pas vu cette signature-là. C'est Joseph Kabila qui l'a promulgué. C'est Joseph Kabila qui l'a signé. Félix Tshisekedi. Ah, tout ça, le 18 février 2006. Tout autant, article 72, il y a constitution de la République promulguée par Joseph Kabila. À cette époque, il était avec Moïse Katumbi qui vient nous donner des leçons aujourd'hui. L'article 72 de la Constitution. Nul ne peut être candidat. Donc, ça dit qu'il y a déjà une mesure d'interdiction. Il y a la sélection qui commence ici. Ce n'est pas la discrimination parce qu'il y a une différence entre la discrimination et la sélection. Hey, Daniel Saf, l'andangai, bino bato, discrimination, torofan nana bino awa lelo, toropes et explication. Bon, mais ça va dictionner, nana bino biska vous allez. Vous aimez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner aussi les autres. Mais dans l'entretemps, bon, mais si peut dictionner, nana bino, même dans ma téléphone. Bota la définition, au côté de Google, tout la définition, il y a sélection, tout la définition, il y a discrimination. L'article 72 de notre constitution. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République. S'il ne remplit pas, c'est une condition. Et la condition ici, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi de Moutouache Yango. Ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi. Joseph Kabila na Moïse Katumbi. Quand je dis Joseph Kabila Moïse Katumbi, c'est-à-dire à cette époque ici, Moïse Katumbi était déjà avec Joseph Kabila. Les conditions ci après. La première des conditions, posséder la nationalité congolaise d'origine. Daniel Saf. Parce qu'il veut nous parler de la discrimination.
Parce qu'il veut nous dire qu'on veut séparer la population congolaise ou le peuple congolais. Au Congo, ici, nous avons des Congolais reconnus par la Constitution, mais qui ne sont pas originaires. Ils jouissent le même avantage en tant que citoyens congolais. Parce qu'ils ont accepté de devenir Congolais par nationalité. Il y a d'autres Congolais, oh, Babo Tama Awa. Papa naye, Rwandais, maman naye, Rwandaise, mais Babo Tama Awa, alubi naza nanga Congolais. Loko la bakare gawan. Mais maintenant, en ce qui concerne la présidence de la République, Balobi Boy, si tu veux devenir président de la République, tu dois l'être, mais que tu sois d'abord un Congolais d'origine, pas de nationalité. Parce qu'on savait que le Congolais de nationalité pouvait être aussi un infiltré. On a voulu verrouiller les postes du président de la République, un poste sacré. S'il y a des postes sacrés dans un État, le premier poste le plus sacré, c'est celui du président de la République. C'est pourquoi, selon notre Constitution, le président de la République est une institution et il s'appelle président de la République. Baboy ko pesa n'importe qui occasion en aya ko sakana na mboka na biso. Nous sommes encore ici en 2006. Donc nous pouvons dire maintenant qu'il y avait discrimination ici. Hein? Il y avait discrimination. On voulait séparer le peuple. Mais maintenant, puisque il y a eu plusieurs articles qui ont été modifiés. Quand la constitution Oyo, il y a 2006, il y a eu au moins, si je ne m'abuse pas, au-delà d'une dizaine d'articles qui ont été déjà modifiés, qui ont subi des modifications. Il y a plusieurs articles ici qui ont subi des modifications. Mais pourquoi quand ces articles-là subissaient des modifications, on n'en parlait pas? Mais ici, il est question maintenant de la souveraineté. Parce que, tellement que vous avez évolué, le monde devait changer. Dans les États-Unis, la constitution est basée sur le lot. Papa Stéphane, et sa constitution, oh, yo, babo tamana, yango, teto, babandela, nango, États-Unis. Ba modifier, on va lever les France, ba modifier, on va lever les Congo, Braza. Tous ces pays, aux Ali, comme on a, wana, ba modifier, ba constitution, on va lever. S'il y a de pays, peut-être, eux, en retard. La modification, il y a ma constitution. Congo Azali parmi. Auto modifier constitution, la mission militaire, Congo Azali parmi. Non, c'est logique. Maintenant, va modifier la constitution pour permettre le peuple à s'adapter à un mode de vie auto en Congo. Auto zo comme en N'avant auto Azali comme en N'atmosphère auto Azali comme en Congo. Je donne un exemple aujourd'hui. Et Nalobaka, sur le plan scientifique. Je vous donne un exemple aujourd'hui. À l'époque de Mobutu, tu as 16 ans, un jeune garçon de 16 ans, une fille de 16 ans était déjà majeure. À 16 ans, à l'époque de Mobutu. Aux ans à 16 ans, moi à moi c'est 16 ans, balingué, va balier. Moi non balier à 16 ans, majeur à osa la ana carte n'est pour cette toi. Mais quand Kabila est venu à Longolé on de 16 ans et Komina na 18 ans. Mais quand vous regardez la fille, il y a 16 ans n'est 18 ans. Vous trouvez quand même qu'il y a d'autres filles à 16 ans oh bazali trop avancées biologiquement par rapport à monsieur à 18 ans. Vous comprenez? C'est ce qui est un bot qui s'appelait trop quand il y a un viol de l'eau. Oh, bah, on va balaka à l'époque là, en 2016, ils allaient violer. Parce qu'on estimait que fille à rose à la paix autant en classe, je vis des femmes enceintes, mais autant à l'époque là, en primaire, je voyais.
16 ans, 17 ans comme ça, Bali Naye. Mais tellement qu'il y a comme ça, que classe est comme retardée. Bah, il y a comme ça, la constat, on dit que non, la plupart des filles, au lieu de sa classe, n'a pas 16 ans, bah, comme il y a comme ça, bah, classe, ça va 18 ans, 19 ans, 20 ans. Alors, pour donner la chance, calcule les bêtes à maquille, déjà 17 ans, ce moment, on attend une classe bien, 16 ans, il fasse sa classe. Si on attend une mabé, 17 ans, il fasse sa classe. Si on attend une mabé, ma classe, 18 ans, il fasse sa classe. C'est ainsi qu'on avait visé pour que moi, sur un coco, ma mariable, wana, a déjà la possibilité, il y a vos alamois diplôme d'état naïe. Maintenant, vous voulez me dire que non, loin Mouzé Kabila, et ça, là, ma belle, n'a pas fille, Badara, à 16 ans, wana. Non. C'est par rapport au temps, par rapport à une vision donnée. Maintenant, loin y a Tchanié pour intervenir, pourquoi? C'est parce que pendant au moins deux décennies et demie, nous nous sommes réveillés en retard que notre pays a été à la base d'un complot international. Et ce complot ne visait que soit la balkanisation de la République. Donc, bakat habite ni ambo kanabiso mbo kaek kabwana, batuna batuba zwanga muna bango. Et batoura bakozo banga muna bangwana, ils ne seront pas tous des originaires. Bako imposer bino peut-être les étrangers qui ne sont pas des Congolais, mais qui vont s'installer pour défendre les intérêts yaba étrangers et la population peut-être alia rabamiente. Est-ce que biso totindanga nzamba pesa biso richesse na mboka ya Congo tozana yango lelo? Nous n'avons pas droit à jouir na ba intérêt na biso moko, na ba matière première na biso moko, na ba richesse na biso moko. Non, c'est logique. Bisonyo soto yebi awa que très bien le Congo tozali na to subir un complot international. L'objectif était de balkaniser le pays. To telemela moi tienti se si tienti se qu'elle avait accepté que le Congo soit balkanisé, le gars a balkanisé. Merci. Donc si je comprends bien, je comprends bien la proposition il y a loi et ça la discrimination dans Katsina Ngote. Et ça, la séparation n'a qu'à s'il y a l'autre. Non, dès lors qu'on a l'ingénie expliqué, tu vas comprendre, ma lame. Donc, ce qui est au Komiwana, et ça, juste le coup, on va mettre les Congolais d'origine. Kabila a fait la constitution, Oyo, a mis un Sikamoko, à Kabola, originalité, n'a pas tout moussou sur Oyo, basé n'a pas racine, n'a qu'à s'il y a Congo. Le chef de l'État, quand il est arrivé, il a trouvé ça. Il ne pouvait pas l'abolir directement, il a laissé. Mais nous le savons que ce sont des ennemis qui vivent dans notre pays, qui sont venus hier, nous les avons vus, n'étaient pas des Congolais. Mais ils ont voulu se faire non seulement des Congolais par naturalisation, mais des Congolais d'origine. Bah comme à l'école Abisso, bah doit bien intérêt non sur l'école Abisso. Non mon escadre est côté bloc cadena. Tu le dis non. Ils ont la raté. Non non. Ils ont la raté. Merci. Soko Lingi Oko, ma président de la République. Il faut tuer ma tata na yo tuer ma koko na bango ba racine na bango il fait ça là. Mais ma loko yo na koko na bango ce n'est pas une discrimination. Il y a mwana na ina et ça na Daniel Safu a comprendre. Congolais de père et de mère. Voilà. Na ça na passer ko na bête le comme ce soir. Bétana, on remarquait que nous passions temps, nous avons pas tant d'argent pour là là. C'était important, on peut s'en rater, on n'a pas on a expliqué, mais tout bon là. Bon moment que notre ticket lié dans la ligne langa kutu. Vraiment. Là il y a le balai. Là il y a aussi, Chico Francis Kalombo, à Kondo le Kambouana. Alobi, le président le même assis à l'oba. Loi on a ce qui kutu ma baby si amoué kokangaie pour yep. Alobi que maman. Il y a maman Marthe Kassalou. Non, papa, il y a maman Marthe Kassalou. Azala qui est angolais. Nous avons dit que le président est Pierre Zamakambon. Wana Soki Francis Kalombo Alobi Bongo. Mais qui nous l'éprouve? Qui nous l'éprouve? Non, c'est logique. Qui nous l'éprouve? Constitution à l'appui. Les éléments matériels à appui, qui nous les prouve? Mais ce qui a prouvé en côté, ils ont un mot caca, je dirais, qui fanfaronnage. Et au Kangala Fatia. Comprenez? Nabi, ils ont un mot qui fanfaronnage. Et au Tikalaka, jamais qu'au Kangala le président Fatih, parce que
il est 100% congolais de père et de mère. Azana koko na moko ya angolais. Mais tant que là koko koko na. Mais kalombo na balobi. Mais yata na kasiti. Je kalombo ta. Akosi. Namiye kalombo kasiti. Kalombo c'est un gène dynamique. Na lobi. Un gars dynamique. Kalombo atanga yango. Ce qui a dit que le président Félix Tshisekedi n'a pas de parents congolais. Donc il n'est pas congolais de père et de mère. Mais ce qui a dit Kalombo Wabanga Poane. Parce que Rosalakoutou Malam, le Kola Moïse Katumbi Azali de père et de mère, le président Félix Tshisekedi sera déjà frappé par cette loi. Et d'office, il ne sera plus candidat. Et le Kola Rosalakoutou candidat est Moïse Katumbi Wabima facilement. Je voulais leur dire ceci, la différence qui existe entre la discrimination et la sélection. La sélection est un acte de choisir les objets, les individus qui conviennent le mieux. Dans l'équipe nationale, la biso a. Toi, tu vas jouer rebelle. Mais le coup, l'objectif, c'est qui le part, il faut gagner. On a commencé par faire les choix. La sélection, il y a entraîneur dans l'équipe, il y a un staff technique. Quand l'entraîneur est venu, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de joueurs au Péba. Mais la vision, il a dit qu'on a là-bas joué, moko. Il vise le mieux. Pas les meilleurs seulement. Pas les bons, mais le mieux. On peut être bon, moins bon, mieux. À Talisikoyo, aïe, comme ça, la sélection. Et tant que la sélection, cela ne veut pas dire que non, aïe, ni baro, y'a zuite, wana. Mais le coup, la vision, aïe, zali, tant qu'elle est une excellence, tant gagner match, il devrait mettre le mieux sur le terrain pour qu'il y ait un bon résultat. Et aujourd'hui, on a gagné ce match par 3-1. Score, on a gagné le lot, on a coach, on a zara, on a rien. Bah jouer un sous-sous, on va bêter le lot. Et ça va jouer un sous-sous. On va bêter ça. Mais bêter ça peut-être, on va jouer un sous-sous, peut-être, bah ça là, va foutre un peu, mais on va te demander aussi de battre dans le système où coach va découper ça. Mais vous avez vu quand même qu'il y a eu de nouveaux joueurs, de nouvelles figures. On va continuer en jeu. Bah bêter ma télé qui t'a qu'on a gagné. Par contre, la discrimination, c'est quoi? La discrimination, c'est le fait de séparer un groupe de humains aux autres en les traitant plus mal. C'est-à-dire, aussi, bah, Kaboli, bah, oh, bah, Zolia bien, bah, oh, bah, Zolia mabé. N'évolue que non, discrimination. Mais aussi longtemps que l'objectif, il y a constitution à Bissau, c'était pour que poste en présence de la République, elle sera toujours sacrée. Au regard, il y a une incursion et ça, la bimba les belles dans le cannabis. Au regard, il y a une tentative, il y a une balkanisation, il y a comment la Bissau. Nous nous sommes dit non. Président Oyakoya, il faut te battre tata na yena mama na ye. Et ici, je suis allé plus loin encore regretter de Konabiso Muyambo. Mais dans le compte de Muyambo, maître Muyambo, le bâtonnier Muyambo. Je regrette un juriste et un avocat. Ex-bâtonnier. T'es tombé qui est Kabongo. Muyambo. Le bâtonnier Muyambo. Non, ça fait très mal. Ça fait très mal quand le vieux n'arrive pas à comprendre la loi de père et de mère. Ça fait très mal. Quand tu n'arrives pas à l'interpréter, est-ce que bah, il y a que qu'on a osé là de père et de mère, il faut aller à la pembe. Oh non. Est-ce que qu'on a na kasai, ba métis bazate. Oh. Est-ce que bah, il y a ba métis nyonso, ba métis nyonso, bazala kaka, banani ba 50%, non? Il y a de métis au pasali 100% congolais. Maman n'a pas la pembe ma casse. Elle a ligné peut-être au Tamara na ba meti. Mais maman n'a pas na koko n'a pas la congolais. Papa n'a pas la pembe.
baboti pe mwana pembe makasi ezala kana yango ezape na mwana mususu oyo papa na ye congolais mama na ye étranger tope mama na ye congolaise papa na ye étranger mais babotami bonno so baza mwindu mwindu on ne fait pas allusion na couleur ya peau muyambo. On ne fait pas allusion à la couleur, il y a peau, il y a batou. Mais ici, on fait allusion à le sang, le sang. Donc, tu dois avoir le 100% de sang congolais. Le 23 chromosome, il y a maman, na yo, côté à maman, na yo, et ça là, na, le sang congolais. Le 23 chromosomes, il y a côté à papa, na yo, et ça la constitution à sang congolais. Neto Pesio et Bonga. Et il doit savoir aussi que la loi est impersonnelle, on ne vise personne, mais on cherche à sécuriser. De la même manière que dans l'article O, dans exemple, dans la législature, il y a 2006, c'est les diplômés. Il y a accès, postulé. Mais aujourd'hui, on demande à ce que vous ayez un titre académique, ne fût-ce qu'un premier cycle. Soit vous avez une discrimination. Non, ce n'est pas la discrimination, mais c'est la sélection. On est en train de faire la sélection pour qu'on soit les meilleurs. Ou qu'on soit la rentable pour la nation. Voilà ce que moi je peux dire. Ok. Ah, bon, ok, avec tout le monde, Nicolas, il y aura examen. Réaction. Nayoki. Le président, tu sais qu'il dit, à 6 mois des élections. Remanier le gouvernement, remanier le gouvernement à 6 mois des élections. Pensez-vous qu'à 6 mois des élections, Bemba peut donner la paix à l'Est? Pensez-vous qu'à 6 mois des élections, Kamere peut stabiliser l'économie? Pensez-vous qu'à 6 mois des élections, Félix Tshisekedi peut travailler dans le sens il y a que son peuple congolais va conclure Balobi, c'est un gouvernement des campagnes. Bon, malheureusement, nous avons des jurisprudences dans notre pays. Nous avons des jurisprudences dans notre pays ici. Nous parlons de Joseph Kabila. Il n'a pas attendu une année pour améliorer la situation. Donc, c'est-à-dire, c'est faisable. Le contexte, contexte politique, FCC, Union Sacrée, vous serez d'accord avec moi que avec le FCC cash, on avait un blocage au moins à 70%. Les choses ne semblent pas marcher. Tout était lourd. Vous comprenez? Tout était lourd. Mais avec l'avènement à Union Sacrée, on a compris et on a senti quand même que non, les choses commençaient à s'améliorer. Aller petit à petit. C'est-à-dire que la politique est allée déclencher la machine et la roue a commencé ou les roues ont commencé à bien rouler. Ou a bien tourné. Chef de l'État Tali, situation haute en Angola à l'Est. Non. Il a ses frères qui sont là. Il y a Jean-Pierre Bemba qui a été dans ce pays-ci avant même que le président Félix Tshisekedi ait sa activité, ait sa fonction, a travaillé dans ce pays. Bemba a travaillé. Et Bemba a été aussi vice-président de la République. Vous comprenez? Bemba a été chef de guerre. Bemba a dirigé les militaires. Bemba a mené des opérations. Il y a une guerre qui s'amanie entre la force qui était aux côtés de Bemba. Na force ezalaki na côté ya ba Rouberoi na Kisangani guerre à 6 jours. Vous comprenez? Ba PC ministère ya défense parce
Bako, batali déjà un esprit à Jean-Pierre Bemba. Il a quand même ses qualités-là. Il a ses capacités-là. Il a ses atouts. Il peut très bien manager, bien qu'il ne sera pas sur le terrain, mais il peut très bien donner des orientations, et avec sa ténacité, nous pensons que les choses vont très bien évoluer. Et ne pensez pas que y est à Yewana uniquement pour nous préparer campagne il y a chef de l'État. Non. Bemba, d'abord, moi je l'apprécie. Félicitations Jean-Pierre Bemba. Bemba, le la qui s'y bisoko, c'est un grand homme. D'abord, tant que Babolo Kwaye, avec toute humilité, Jean-Pierre Bemba, avec toute humilité. Fandi. Il a accompagné, il a vu comment les choses passaient dans ces pays. Quand ça n'a pas marché, la candidature, il est resté là. Il a dit, je resterai aux côtés de mon frère. Je dois l'accompagner. Mon frère, je dois l'accompagner. Non, il l'accompagne. Non, il y a ennemi. Ennemi. Mais ennemi, ils allaient battre au Nyonso, au Télémila. Président Félix Tshisekedi, au Télémila. Bemba, au Télémila. Le gouvernement, au Balingi, Tembo, Kanam, Sekendi. Bon, ce sont ceux-là qui sont des ennemis. Les gens qui veulent qu'il ait toujours du fait dans ces pays, au Balingi, Tembo, là, ce sont là les ennemis. Alors, le lo oyo Bemba, na humilité nyonso, il a accepté de devenir ministre, vice-premier ministre. Donc, deuxième vice-premier ministre. Aza ministre à la défense. Je vous rassure que dans 6 mois, les choses vont bouger. D'abord parce qu'il travaille avec son cœur. C'est un homme très déterminé. Et il aura aussi le temps d'aller négocier beaucoup de choses en tant que ministre à la Défense. Moi, quand il était dans la rébellion, il savait comment entrer ou entrer. Voyez un peu. Et on a posé un peu de temps pour qu'on ait la porte pour que, je dirais, l'armée n'a pas eu l'équipement de l'armée. Et je pense que ça a très bien suivi, il y a un militaire. Il y a vraiment recensé un vrai militaire dans le cadre de l'armée. Et il y a un militaire qui est actif parce qu'il y a d'autres militaires qui ne sont que des fantômes. Au tel effectif, au tel militaire, il y a 2000. Mais ok, il y a 1500, il y a un militaire qui est imaginé à Bazalate. Il y a un peu de temps. Donc, parce qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il faut aller là, il y a un peu de temps. Donc, moi, je pense qu'avec l'avènement, il y a Jean-Pierre Bemba, dans la poste, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et aussi, il y a maître Peter Kazadi, dans le ministère de l'Intérieur. Je pense que na dynamisme o ya zala kanengo makambo ekotambo la vraiment malamu. Donc le gouvernement o ezali gouvernement o tieli vraiment espoir beaucoup plus na o etali finance économie budget na o etali social na o etali énergie na o etali ressources hydrauliques parce qu'on a besoin de l'eau presque partout na o etali je dirais intérieur, donc la sécurité d'une manière générale, surtout au niveau de la province, et aussi, je dirais, dans l'économie, d'ailleurs, on a Vital Kamerhe qui est là, et je pense que Vital Kamerhe avec Nicolas Kazadi, bah, on peut s'abîmer vraiment l'image moko il y a bien Nakati Ambo Kanabiso, espérons. Très bien. Espérons que Makambo et Kotambola, chers compatriotes, j'espère qu'on a essayé d'épingler quelques points essentiels au yo. Et à un niveau et actualité dans Mboka Nabiso, nous vous disons merci et nous vous retrouverons prochainement avec le même plaisir. Papa Stéphane Balamwange.